confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe le Seigneur, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à ses lumières par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Genèse. Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec tous vos descendants et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de l'arche pour repeupler la terre. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être vivant ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Pour toutes les générations à venir, je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. » Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel paraîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance avec vous, avec tous les êtres vivants, et les eaux ne produiront plus le déluge qui détruit tout être vivant. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Je vais te conduire au désert et je parle. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, dans ton amour ne m'oublie pas. Je vais. Te conduire au désert.
il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Je vais te conduire au désert et je parlerai à ton cœur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Frères, le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. C'est ainsi qu'il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés au temps où se prolongeait la patience de Dieu. Quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvés à travers l'eau. C'était une image du baptême qui vous sauve maintenant. Être baptisé, ce n'est pas être purifié de souillures extérieures, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel, au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles à la droite de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Je m'assure que les trois pages sont là. Si vous vous rappelez, l'année dernière, la troisième avait disparu. Son Excellence, Monseigneur Gabriel Ekachanos Apostolique au Liban, leurs Excellences les ambassadeurs au Liban, Messieurs le Président et les membres de la Ligue latine, et tous ceux que j'ai oubliés, je les aime beaucoup, beaucoup plus que ceux que j'ai nommés. Chers amis, je ne vous cache pas que toutes les fois que je tombe sur la phrase qui introduit le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, je reste un peu choqué et surpris. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Mais cette surprise ne dure pas longtemps et elle cède la place à une autre pensée. Se soumettant à la tentation, Jésus a voulu faire comprendre aux futurs croyants en lui qu'être ses disciples importe une vie de lutte et de sacrifice, et non une vie facile et commode. Il reprend ainsi, en confirmant la pleine véridicité, l'avertissement du livre de l'Ecclésiastique, « Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. » Naturellement, soit dans le cas de Jésus qu'en celui de l'Ecclésiastique, la tentation est prise au sens large. Elle comprend en effet soit les tentations provoquées directement par le démon, soit toutes sortes d'instigations au mal et tout ce qui empêche l'homme de vivre selon Dieu. Plus que se donner le texte par lequel Marc décrit le début de la vie publique de Jésus doit attirer notre intérêt et notre attention. Je cite, « Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Malgré que nous soyons soumis à des tentations, des luttes et toutes sortes de difficultés, nous recevons de ce texte un message qui est à la fois consolatoire et hautement éducatif pour ce qui concerne la manière de parcourir le chemin du salut. Le moment consolatoire est indiqué par les paroles « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. » Si avec Jésus est venu le Sauveur, au sens plein et définitif, de quoi nous devons avoir peur? Du démon, mais Jésus est beaucoup plus fort que lui. De notre faiblesse, mais Jésus est venu pour donner force et courage à celui qui est faible. De nos chutes persistantes, mais Jésus s'est fait ami et commensal des pécheurs. Du futur, de l'avenir, mais Jésus, par sa mort et sa résurrection, a réouvert pour nous tous les portes du paradis. De la dureté de la vie, mais Jésus est là tout près de nous pour en alléger le poids et la rendre plus supportable. De l'angoisse et de la solitude, mais Jésus marche avec nous comme compagnon de voyage. Et il attend de nous un signe, une demande. Le moment éducatif, nous le trouvons signalé sous une forme catégorique dans l'exhortation de Jésus. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pour participer de droit et de fait au salut offert par Jésus, il ne suffit pas de lutter contre les tentations et le péché. En plus de ces combats, nous devons nous convertir et prendre au sérieux l'Évangile. Toutefois, il nous faut éviter de changer le danger de le réduire
à une pure et simple ascèse, à un pur légalisme stérile. L'Évangile, parce qu'il est Évangile, nous pousse à adopter une attitude intérieure qui va au-delà d'une simple observance. Un célèbre bibliste écrit, à la pâle spiritualité de beaucoup de chrétiens qui sentent la religion comme une obligation et comme un manteau à porter quand c'est nécessaire, Jésus oppose la religion de la rencontre, de l'amour et de l'adhésion joyeuse. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, comment pouvons-nous organiser ce carême et vivre ce temps fort dans le recueillement et l'engagement de vie? Les évangélistes nous présentent Jésus comme une personne réfléchie, qui aimait le recueillement, la méditation et la prière. À son exemple, l'Église nous invite à créer aussi pour nous ce climat de préparation pour la Pâque. Nous avons à prendre la tête entre les mains, réfléchir et penser. Penser à notre vie et à nos projets, à nos chers, à quelque chose de bon à réaliser pour eux et avec eux, à ce que nous combinons de plus ou moins bon sous le regard du Seigneur, et puis nous disposer à demander pardon à Dieu et à nos frères. Celui qui se repent aime. En aimant, on appartient déjà à Dieu. Le temps du carême est le temps de la réconciliation. L'homme qui se repent confesse ses erreurs et péchés et se réconcilie avec Dieu et ses frères et comme un nouveau-né. Nous avons à notre disposition 40 jours pour comprendre, pour nous organiser, pour mettre de l'ordre dans notre vie et vivre comme des chrétiens authentiques. En dehors du pardon et de la réconciliation, il n'y a absolument aucune solution des conflits, des crises et des problèmes qui nous tourmentent les hommes du 21e siècle. Bon dimanche et bon carême. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père en âme et ciel. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, et Dieu né du vrai Dieu, engendré ou pas créé, de même nature que le Père, par lui tout a été. Descendit du ciel, par l'Esprit Saint, et la chair de la terre.
Dieu ne peut oublier ses enfants. Il nous invite à la confiance. Il attend de nous l'ouverture du cœur pour verser au fond de nos âmes son amour paternel et son bonheur éternel. Faisons porter vers lui toutes nos intentions pour notre salut et le salut du monde. L'Église, que le Seigneur, qui l'avait préservée depuis 20 siècles, la relève encore, afin que le message de vérité soit connu davantage et parvienne à tous les peuples. Prions le Seigneur. Toutes les nations, en particulier pour celles que le corps diplomatique représente au Liban. Que le Seigneur, dans sa providence, les protège, qu'il éveille dans leur peuple l'espoir de jours meilleurs pour la promotion de la justice, de la liberté et de la paix. Prions le Seigneur. Le Liban et le Proche-Orient, que le Seigneur, dans sa providence, accorde la paix et la sécurité au pays où il s'était incarné, ainsi qu'à tous les pays voisins. Prions le Seigneur. Pour les ambassadeurs ici présents et pour tout le corps diplomatique au Liban, que le Seigneur leur accorde un surcroît de bénédiction pour accomplir leur tâche si délicate et les préserver de tout danger, eux et leurs familles. Prions le Seigneur. Père éternel, tu connais les intentions de nos cœurs. Tu diriges les peuples vers la concorde et l'unité. Écoute nos prières et fais-nous participer à la construction de la justice et de la paix dans ce monde, à la suite de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne pour les siècles des siècles. Les fleurs sont les témoins admirables de l'épanouissement et de la beauté de la création. Chacune, dans sa forme et ses couleurs, résume symboliquement l'univers. Ce bouquet qui rassemble des fleurs exotiques avec celles du Liban, nous te les offrons, Seigneur, pour exprimer la reconnaissance de tous les hommes et pour manifester la joie qu'elles éveillent en nos yeux et dans nos cœurs. Nous voulons te dire aussi: garde notre terre couverte des fleurs de l'amour et de la liberté. Inspire aux hommes le respect de l'environnement pour mériter la paix. Les fruits sont les résultats de la bonté dont tu as marqué notre terre. C'était la première nourriture des hommes, l'image de leur désir de bonheur et d'indépendance. Les fruits demeurent le dessert de leur repas dans tous les pays. Combien nous t'en remercions, Seigneur.
Tu as envoyé ton Fils pour réparer le péché dans nos premiers parents. Nos enfants, fruits de notre amour, garde-les dans la paix, dans la joie et la santé, qui reconnaissent en toi leur Créateur et leur Sauveur, et que nous puissions retrouver pour eux le paradis après cette terre. Le pain et le vin, tu les as choisis pour devenir le moyen de te rencontrer sensiblement et dans l'intimité, dans notre corps et notre cœur. Accueille-les des mains de notre évêque, en notre nom et au nom de toute l'Église. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, Dieu vivant, Dieu est bon, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons et tu viendras le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, te le présentons et tu viendras le pain du royaume éternel. Qui invite à la danse par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es bon, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es Dieu, tu es grand, tu es beau.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché. Pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Paul ici présent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
voici maintenant le temps favorable. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. Remise à moi de tout votre cœur, car je suis à Dieu de tendresse. Voici maintenant le jour du salut. Convoquez l'assemblée du peuple devant le Seigneur. Qui sait s'il ne revenait et nous comblait de sa miséricorde. Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ, lui qui est sans péché, Dieu l'a fait péché pour supplication. Priez Dieu votre Père qui est là dans le secret, et votre Père exaucera les désirs de votre de la pénitence. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. Thank you.
Bénissons le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire et le bonheur des saints, et c'est lui qui vous accorde leur appui et leur protection. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Que l'intercession des saints écarte de vous tout mal et vous tienne en sa bénédiction. Amen. Qu'il répande sur vous sa grâce, qu'il vous instruise par sa parole de vérité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Amen.